Donc, pour ce faire, j'ai mis un petit bandeau pour protéger les cheveux. Voilà, c'est le masque Pilif au charbon de chez Peggy Sage. Bon, là, j'avais ouvert l'emballage. Voilà, donc on va tester ça. Donc, je vous renvoie sur ma vidéo de la semaine dernière. C'était oh le coiffeur, je sais plus, oh le. Enfin, produit de coiffeur, je sais plus, avec la Fnac. Voilà, j'avais acheté ces trois masques-ci pour 5 euros et quelques. Donc, c'est un masque Pilif au charbon. Donc, c'est parti. Donc, avant, j'ai lavé mon visage. J'ai mis mon petit bandeau. Donc, utilisation sur peau propre. Alors, évidemment, je n'ai pas pris mes lunettes. Appliquer une fine couche en couche fine et uniforme sur le visage en étalant, en évitant le contour des yeux. Laissez agir 20 minutes. Laissez agir 20 minutes environ afin d'obtenir un film parfaitement sec. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes et je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est écrit tout petit. Donc ensuite, ils disent donc retirer le film, décoller le film en commençant par le bas du visage, rincer à l'eau tiède pour éliminer les résidus. Donc on va voir déjà comment il s'étale. Donc l'ouverture doit être par là. Voilà. Donc masque au charbon, c'est un masque noir. Donc voilà. Se présente comme ceci. Donc c'est parti. Ça sent légèrement l'alcool quand même. Mais il y a quand même un parfum, mais un parfum avec un peu d'alcool. On sent quand même l'alcool. Bien sur le nez. Là, si vous voulez faire Halloween et faire peur à quelqu'un, mettez votre masque. Bon, là, j'ai personne chez moi là ce matin. Alors, je vais essayer de bien mettre le bandeau. Voilà. Bien en mettre vers les yeux, pas vers les yeux, sur le nez. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de bien homogène. Une couche assez homogène. Donc, il y a suffisamment de quantité pour un masque, hein. Ça ne pique pas. Première impression, ça sent quand même l'alcool. Mais c'est pas dérangeant du tout. J'en ai mis vers les lèvres. Donc surtout bien sur le nez. Là où on peut avoir des points noirs en fin de compte. Donc la quantité est suffisante. J'en remets un peu là. Donc, c'est bon. Donc, je vais laisser poser 20 minutes. Et après, je vous retrouve pour mes premières impressions, pour vous montrer, enfin pour vous dire déjà, je pense que je vous reprendrai quand je vais retirer le masque. Excusez-moi, je suis en train de me rincer les mains. Je vous
vous dirai ma première impression, si ça a bien séché en 20 minutes. Donc, il faut que je regarde le temps de pause. Donc, on va se retrouver d'ici 20 minutes. Évidemment, je n'ai pas pris de serviette. Voilà, c'est parti. Là, si je ne vous fais pas peur, vous me le direz. Si je vous ai fait peur, vous me le direz plutôt. À tout à l'heure. Ça fait 20 minutes. Il y a certains endroits où c'est pas tout à fait sec. Voilà. Là, c'est pas tout à fait sec sur les joues. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Mais ici, tout est sec. Donc, on va commencer par le bas. Ça tire un peu quand même. Bon, sur les joues, malgré que ce soit pas sec, ça s'est bien décollé. Non, pas là par contre. Là non plus. Donc, je vais me rincer. J'en ai eu un peu sur les cheveux. Et mon visage. Donc, j'avais la peau un petit peu rouge. J'ai mis un peu de brumisateur d'eau. Je vais en remettre un petit peu d'ailleurs. Sinon, ça tire pas du tout. Enfin, ça tire un petit peu quand même, mais c'est pas douloureux. Hein. Mais là, sur les joues, faut pas trop en mettre parce que ça n'avait pas totalement séché. Alors, j'ai laissé exactement 23 minutes. Donc, là, je trouve que j'ai la peau plutôt douce, un petit peu rouge par certains endroits, surtout sur le nez. Donc, voilà. Donc, les points noirs, je ne sais pas, par contre. J'en avais pas beaucoup. Donc, j'ai rincé mon visage avec une éponge, qu'il va falloir que je nettoie d'ailleurs. Voilà, pour les petits résidus. Donc, voilà pour mon premier test, pour le premier test du Black Peel-Off Mask, masque peel-off au charbon de chez Peggy Sage. Ben, écoutez, je vous le recommande. Par contre, à l'application, ça sent un petit peu l'alcool. Un mélange un peu d'alcool et de parfum. De l'alcool un peu parfumé, tout simplement. Mais sinon, ça vous laisse la peau douce. Ça fait légèrement... il faut quand même tirer pas mal. Enfin, tirer, il faut quand même tirer dessus, comme tous les peel-off. Mais là, plus particulièrement... Donc, j'ai l'impression que j'ai la peau bien nettoyée. Maintenant, là, c'est la lumière de la salle de bain, donc je ne sais pas du tout. J'ai peut-être quelques petites rougeurs ici. Là, la petite imperfection n'est pas tout à fait partie, mais bon, plutôt satisfaite. Voilà. Bon, la peau rouge n'est pas restée très très longtemps. Bon, comme tous les masques peel-off, ça a tendance à rougir un peu la peau. Donc après, surtout bien se vaporiser un peu de brumisateur pour calmer un peu les sensations de... Enfin, j'ai pas la peau qui me fait mal, hein, mais de la peau un peu rouge, un peu irritée. Enfin, pas irritée, mais un peu rouge, vous voyez ce que je veux dire. Donc, premier test plutôt satisfaite. Maintenant, à voir en pleine lumière... si ça a vraiment bien enlevé les imperfections. Là, j'avais une petite imperfection ici. Elle n'est pas partie, mais je ne crois pas que j'ai insisté ici pour mettre du masque. Donc, voilà. De toute façon, vous aurez mon avis dans mes produits terminés. Je vais en retester un autre pour vous dire mon avis final. Voilà. Donc, je ferai mes produits terminés prochainement. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye, bye.